Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance consacrée à la séquence 7 du programme d'histoire des classes de 5e, intitulée L'affirmation du pouvoir royal en France. Lors des deux séances précédentes, nous avons planté le décor spatial puis temporel de notre séquence. Aujourd'hui, nous allons aborder davantage les problématiques par l'angle artistique, par l'angle de l'histoire des arts, puisque nous allons étudier une cathédrale. Et pas n'importe quelle cathédrale, la cathédrale de Reims, qui n'est autre que la cathédrale du Sacre des Rois de France. Grand C, Reims, cathédrale du Sacre des Rois de France. Et cela va être l'occasion pour nous de nous familiariser avec l'art gothique, puisque Reims est un magnifique exemple de cathédrale gothique, ce qui nous permettra également de réviser nos connaissances de l'art roman que nous avons étudié dans une séquence précédente à travers l'église de Saint-Nectaire, ce qui nous permettra de comparer art roman, art gothique, de voir l'évolution, les différences. Et puis, comme il s'agit de la cathédrale du Sacre des Rois de France, eh bien, on essaiera de voir ensemble en quoi la cathédrale de Reims scelle-t-elle l'union entre royauté et chrétienté. Situons tout d'abord la cathédrale de Reims dans l'espace historique du Moyen Âge. Hein. Nous sommes donc ici avec une carte des limites du royaume de France en 1180, c'est-à-dire au moment où le roi Philippe II Auguste prend le pouvoir. On est à peu près voilà, dans une grosse moitié du Moyen Âge, au XIIe siècle, fin du XIIe siècle. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le comté de Champagne, au nord-est de la France, dans le royaume de France. Le comté de Champagne n'est pas un territoire du domaine royal. Il appartient au roi, mais indirectement, puisqu'il est en réalité géré par ce grand vassal du roi de France que l'on appelle le comte de Champagne, et qui, je vous le rappelle, s'est enrichi, s'enrichit même au moment de la carte, par les foires de Champagne, les célèbres foires de Champagne, celles de Troyes, de Bar-sur-Aube, de Lagny et de Provins, au cours desquelles s'échangent les marchandises venues de Flandre et les marchandises venues de Lombardie. Voici une photographie assez récente de la cathédrale de Reims, telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir tout de suite, elle présente un air de parenté, un faux air de cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais c'est tout à fait normal parce que les deux cathédrales ont été bâties à peu près aux mêmes époques et selon le même style architectural qui est justement le style architectural gothique, dont nous allons distinguer les caractéristiques au cours de cette séance. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de bien vouloir visionner, si ça n'est pas encore fait, le reportage qui dure 4 minutes 10, consacré à la cathédrale des Rois de France, cathédrale de Reims, et qui vous attend grâce au lien que je vous ai expédié
par la messagerie de votre ENT. Je vous souhaite une bonne découverte de ce reportage qui va nous permettre par la suite d'avancer dans la description, l'analyse et la compréhension de ce monument. Avant d'aller plus loin, quelques précisions de vocabulaire qui pourront, pourquoi pas, vous servir même encore dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. D'abord, le mot cathédrale, parce que bah, si on prend par exemple l'exemple de la ville de Moulins-sur-Allier, vous avez deux églises presque aussi majestueuses l'une que l'autre, toutes les deux d'art gothique, toutes les deux élancées vers le ciel. Une qui est en bas de la place d'Allier, l'autre qui est en haut de la place d'Allier, pour faire simple. L'une est cathédrale, l'autre pas. Pourquoi? Ben tout simplement parce que celle de la place d'Allier n'a pas l'honneur d'abriter la cathèdre. Et la cathèdre, c'est ce que vous avez sur l'image de gauche, c'est un trône. C'est un trône ecclésiastique, un trône religieux. Hein. Bon, il n'est peut-être pas aussi effectivement décoré, richement décoré qu'un trône de roi de France ou même que le trône du pape, le trône pontifical, mais c'est le fauteuil sur lequel s'assoit l'évêque. L'évêque, qui est le personnage de droite, reconnaissable à ses vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire les vêtements religieux, les vêtements qu'il utilise lorsqu'il remplit sa fonction religieuse. L'évêque qui a emprunté deux éléments, deux accessoires au pharaon d'Égypte, à Pharaon d'Égypte, comme quoi il y a des influences qui peuvent se transmettre sur des siècles et des millénaires, avec des religions qui peuvent être différentes d'ailleurs, parce que la religion chrétienne est une religion monothéiste, alors que la religion des Égyptiens de l'Antiquité était une religion polythéiste, et pourtant la mitre du pape ressemble fortement au pschent de Pharaon. Quant à la crosse du berger, ben, ou bourdon, en fait c'est ni plus ni moins que la crosse du berger de Pharaon, parce que l'évêque est le chef de la communauté religieuse chrétienne catholique à l'échelle d'un département, plus exactement d'un diocèse, qu'il est le berger qui doit conduire le troupeau des fidèles jusqu'à Dieu et accessoirement jusqu'au paradis. On voit aussi qu'il porte à la main droite l'anneau pectoral, le signe d'alliance entre Dieu et les hommes, la croix pectorale, la croix du Christ. Bon, donc la cathédrale. Et l'église, la seule église du diocèse, enfin la seule église dans une grande ville, qui a le privilège d'accueillir l'évêque du diocèse. Je vous invite à prendre la planche 3 de votre séquence qui vous attend dans votre espace numérique de travail normalement, et je vous invite à faire connaissance avec l'une des statues les plus célèbres, sinon la plus célèbre de la cathédrale de Reims, l'ange au sourire ou l'ange au beau sourire comme on l'appelle. Et il a une expression tellement humaine qu'on a réellement l'impression qu'il va se détacher du mur, des piliers, et qu'il va se mettre à s'envoler sous vos yeux. Et nous allons donc compléter la fiche d'identité de la cathédrale. Puisque je vous rappelle, c'est la première étape de la démarche d'histoire des arts. On identifie. On a donc affaire à une église qui s'appelle Notre-Dame de Reims, comme beaucoup d'églises ou de cathédrales de France, puisqu'elle est dédiée à la Vierge Marie. Hein. Notre-Dame, c'est la Vierge Marie, la maman de Jésus. C'était déjà le nom de baptême, si je puis dire, de Notre-Dame de Saint-Nectaire. Hein. La date de construction remonte au XIIIe siècle pour l'actuelle cathédrale, puisque vous l'avez vu dans le reportage, il y a eu des églises primitives qui ont précédé notre actuelle cathédrale de Reims.
Donc situation géographique, alors évidemment aujourd'hui ça serait dans le aujourd'hui ça serait dans la région Grand Est, mais ça n'a pas un grand intérêt. Il faut resituer dans le contexte historique de l'époque. Donc comté de Champagne, Royaume de France. Le matériau principal, ben, c'est évidemment la pierre de taille. Aussi probablement beaucoup de bois, puisqu'il a fallu des forêts entières, on le sait pour Notre-Dame de Paris, mais c'est vrai pour toutes les autres cathédrales, il a fallu des forêts entières pour fabriquer les échafaudages nécessaires pour élever les murs, les tours des cathédrales, mais évidemment ces échafaudages ont disparu, donc on a tendance à oublier que le bois a été aussi un matériau principal. Style architectural, ben c'est le style gothique sur lequel on va revenir. Et alors les dimensions de la cathédrale, hein, vous l'avez vu dans le reportage, elles sont quand même assez impressionnantes, hein, une hauteur de 90 mètres et une longueur de pratiquement 150 mètres. Et le signe particulier de la cathédrale de Reims, celle qui fait qu'elle est à nul autre pareille, et ben c'est que c'est la cathédrale du Sacre des Rois de France. Ou du roi, des rois des Francs, comme on le disait au Moyen Âge. Du reste, juste au-dessus du portail, enfin des portails même de la cathédrale, hein, au troisième étage, si je puis dire, du bâtiment, du monument plutôt, vous avez la galerie des rois de France, qui évoquera à jamais pour moi la galette des rois, parce que figurez-vous que, ça je ne le savais pas quand j'étais enfant, figurez-vous que dans les galettes des rois, on trouvait des fèves en plastique, hein, vous plairait pas aujourd'hui, hein, c'était pas peinte ni rien, et je me demandais toujours à quoi pouvait bien faire référence, parce qu'on aurait dit des vieux chewing-gum mâchés. Et en fait, eh bien, c'était tout simplement des représentations des personnages de la galerie des rois de France, tels qu'on les trouve accrochés en façade de la cathédrale de Reims. Et vous avez en particulier le trio central, le barbu à cheveux mi-longs en train de prier et dont le corps baigne dans une cuve baptismale, hein, une sorte de piscine, on va dire de tonneau, c'est pour ça qu'on le voit jusqu'à mi-ventre. À ses côtés, la seule femme représentée, à gauche pour vous, à droite pour lui, la seule femme représentée sur ce monument, Clotilde, son épouse, la reine Clotilde, parce que le barbu à cheveux mi-longs, c'est Clovis, le roi des Francs, le premier roi des Francs. Clovis, le barbare, le païen Clovis, qui a enfin décidé de faire plaisir à sa chrétienne de femme, la reine Clotilde. Il a décidé de se convertir à la religion chrétienne, catholique, et pour ce faire, il fait appel au personnage qui se trouve à sa droite, à gauche pour lui, qui est un évêque, qui s'appelle Rémi, et qui va faire rentrer par la voie du baptême Clovis dans la communauté des chrétiens. Et cette cathédrale rappelle, même si le baptême, c'est pas. Tous les historiens ne sont pas d'accord à ce sujet, même si le baptême ne s'est pas nécessairement déroulé à cet endroit, le baptême de Clovis. Malgré tout, cette cathédrale évoque le baptême de Clovis. Et tous les rois de France, on vous l'expliquait dans le reportage, qui vont ensuite se faire sacrer, se feront sacrer en présence symbolique, d'une certaine manière, de Clovis. C'est une manière d'établir un lien de parenté, même lointain, même indirect, avec le prestigieux roi des Francs. Vous avez ici une représentation du sacre d'un des rois de France. Il s'agit ici de Philippe Auguste, hein, dont nous ferons connaissance plus précisément au cours d'un des dossiers, et qui donc se fait sacrer, comme tous ses prédécesseurs ou presque, et tous ses successeurs, à l'endroit présumé où Clovis est devenu chrétien. Et ça explique les relations privilégiées
entre les rois de France et l'Église catholique. Et ça explique accessoirement le symbole capétien de la fleur de lys, la fleur de lys qui parsème le vêtement des rois, le manteau du sacre en particulier, fleur de lys qui comporte trois pétales pour le mystère de la Trinité chrétienne, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'art gothique repose non plus sur la voûte en berceau, la voûte romane, hein, en arrondi, en anse de panier, appelez-la comme vous voulez. Elle repose sur l'arc brisé, sur l'arc ogival. C'est-à-dire avec une pointe un peu triangulaire. Bon. Ça n'est pas la seule différence avec l'art roman. Parce que la différence la plus fondamentale, c'est que dans l'art gothique, les murs du monument, les murs de l'église, ne servent plus au fond qu'à délimiter ce qui est à l'intérieur de l'église et ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur de l'espace consacré et ce qui est à l'extérieur de l'espace qui n'est pas dédié à Dieu. Autrement dit, les piliers, qui sont nombreux et disposés tout le long de l'édifice, vont avoir la lourde charge, c'est le cas de le dire, de recueillir toute la poussée de la voûte. La voûte repose sur les piliers et non plus sur les murs. Ça, c'est la grande différence d'avec l'art roman. Et vous voyez que le fait que ce soit les piliers qui recueillent la poussée de la pression, si vous préférez, de la voûte, du plafond, ça n'empêche pas les hommes du Moyen Âge de construire des bâtiments très élevés, puisque la cathédrale fait 90 mètres de haut, mais la voûte de la nef que vous avez sous les yeux, se situe à 38 mètres. 38 mètres, ça fait quand même, ça fait un immeuble d'une quarantaine d'étages, hein. C'est pas rien. Et malgré tout, ben, comme vous pouvez le voir, tout ça, ça tient debout. Parce que ce sont les piliers qui s'entrecroisent pour former des croisées d'ogives qui supportent la poussée de la voûte. Alors, comme le montre le schéma de gauche, si tout ne reposait que sur des piliers, qui en plus ne sont pas forcément extrêmement épais, eh bien la poussée verticale, hein, l'attraction terrestre, appelez-la comme vous voulez, déformerait les piliers, déformerait la croisée d'ogives, et tout s'effondrerait sur la tête des gens qui sont dans l'église, dans la cathédrale. Donc il y a un truc pour que ça tienne. Le secret de l'art gothique n'est pas vraiment un secret, dans le sens où il apparaît aux yeux de tous, hein, suffit de regarder l'architecture d'une église ou d'une cathédrale gothique, et de quoi se rend-on compte? C'est que vous avez des arcs-boutants qui sortent des murs, qui ne s'appuient pas sur les murs, mais qui s'appuient en réalité sur les piliers qui se trouvent à l'intérieur de l'église. Et ces arcs-boutants ont, on dirait, des sortes de ponts de pierre qui enjambent le vide. En réalité, c'est eux qui vont canaliser la poussée verticale, la poussée de la voûte, que j'ai représentée par des flèches rouges. Ils vont, ces arcs-boutants, détourner, un peu comme un aqueduc détournerait le cours d'une rivière, ils vont détourner une partie importante de la poussée verticale,
Et du coup, bah, les piliers sont beaucoup moins sollicités et ils n'ont pas besoin d'être incrustés véritablement dans les murs. Les murs, comme vous pouvez le voir, ne sont pas renforcés par des contreforts. Alors, si, il y a des contreforts dans l'art gothique, évidemment, mais d'abord, ce sont des contreforts beaucoup moins volumineux, beaucoup moins massifs et surtout, les contreforts sont décollés des murs. Parce que en réalité, les contreforts sont à l'extrémité des arcs-boutants. Les arcs-boutants qui vont donc répercuter en fin de course la poussée verticale de la voûte dans le contrefort qui va absorber cette poussée comme une éponge. Alors évidemment, la poussée verticale, on l'a pas sous les yeux, dans le sens où on la voit pas. Hein, c'est invisible. Mais croyez-moi, elle existe pour de vrai. Et si on enlève, par exemple, les contreforts, eh bien, l'arc-boutant ne remplit plus son office. Et alors là, par contre, il y a un risque d'effondrement. Sur cette diapo, je vous ai mis à gauche le schéma de la technique de construction gothique, qui correspond à l'exercice 2 et que je vais vous demander de bien vouloir compléter. Et je vous ai mis pour rappel, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on l'a vu, la technique romane, celle qui correspond à l'église Notre-Dame de Saint-Nectaire, en Auvergne, pour mémoire. Et c'est vrai que si on n'est pas très très attentif aux détails, si on n'est pas très branché architecture, hein, si on part du principe qu'une église, c'est une église, et que quand on a vu une église, on les a toutes vues, on peut se dire, ouais, bon, effectivement, il y a une nef, il y a des piliers, c'est en pierre, il y a des voûtes, c'est la même chose. Mais en réalité, non, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que, encore une fois, à partir du moment où les murs ne sont plus indispensables pour supporter la pression de la voûte, et que finalement les piliers maintenant sont renforcés par les arcs-boutants, qui eux sont une nouveauté de l'art gothique, qui ressortent en extérieur des murs et qui rejettent toute la poussée verticale dans les contreforts, eh bien, force est de constater que c'est pas tout à fait la même chose et qu'il est là le véritable secret de la technique gothique. Hein, c'est pas le fait qu'on ait remplacé encore une fois l'arc de plein cintre par l'arc brisé. Le vrai secret de la technique gothique qui va permettre de construire des bâtiments beaucoup plus imposant, beaucoup plus haut, beaucoup plus élancé vers le ciel pour se rapprocher de Dieu, tout en affaiblissant en apparence les murs, en creusant les murs, en les remplaçant par de gigantesques vitraux. Mais bien sûr, puisqu'encore une fois, les murs ne servent plus à rien. Donc pourquoi ne pas les évider et les remplacer par des vitraux? Qui en plus apporteront de la lumière. Et c'est la raison pour laquelle la décoration intérieure des églises va se modifier au cours du Moyen Âge, parce que si on prend deux représentations, deux images identiques, parce que oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais pourtant, on vous montre le couple de nos ancêtres, hein, on nous montre Adam et Ève, à la fois sur la fresque murale de l'église romane, mais aussi sur le vitrail de la cathédrale gothique. Et effectivement, le thème est le même, mais le traitement du thème, lui, est fort différent. Parce que dans le cadre d'un dessin fresque, à la fresca, hein, peint à frais sur le mur, eh bien évidemment, même si vous mettez des couleurs éclatantes qui vont finir par s'écailler et par
comment dirais-je, disparaître, d'éteindre avec le temps, qu'il faudra en plus éclairer par des torches pour que l'on puisse les voir, parce que les murs sont pleins, il n'y a pas donc d'ouverture vitrée. Donc ces fresques sont condamnées à rester d'une certaine manière dans l'ombre. Ça, c'est le sort des fresques de l'art roman. À côté de cela, vous allez avoir des jeux de lumière qui vont être rendus possibles par la confection de ces véritables puzzles de verre que sont les vitraux. C'est-à-dire que l'on va fabriquer des panonceaux de verre de formes toutes différentes les uns des autres, mais savamment agencés pour que réunis ensemble comme un puzzle, eh bien, toutes ces pièces présentent un ensemble achevé et très coloré. Les bords noirs des pièces du puzzle de verre, ce sont des baguettes de plomb dans lesquelles sont enchâssées les parois de verre du vitrail. Et donc, vous voyez bien que le résultat est quand même beaucoup plus lumineux, surtout si en plus, encore une fois, au soleil levant, par exemple, si le panneau, si le vitrail est orienté à l'est, imaginez la lumière du soleil qui passe à travers le vitrail et qui va faire des jeux de lumière colorée sur les piliers, sur les murs à l'intérieur de la cathédrale. Ça devient tout de suite magnifique. Et les vitraux coûtent très cher, mais comme ils sont offerts la plupart du temps par les corps de métier, comme par exemple celui des Foulons de Bruges, hein, finalement, ce sont des dons accordés à l'Église, donc les églises ont les moyens de construire, de faire installer plutôt des vitraux gigantesques en façade et dans les murs des églises gothiques. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'exercice 3, qui concerne la cathédrale de Reims vue de façade et vue de l'extérieur. Donc je vais vous demander dans un premier temps, alors je sais la place est peut-être pas suffisante, il va falloir écrire peut-être un peu petit, mais je vais vous demander donc de commencer par nommer le rez-de-chaussée, si je puis dire, et les trois étages que constitue la façade de la cathédrale de Reims. Hein, je vous rappelle que le rez-de-chaussée ne compte jamais comme un étage, donc il n'y a pas quatre étages, il y a un rez-de-chaussée constitué par les trois grands portails, dont le portail central qui était réservé à l'usage du clergé, suivi d'un premier étage constitué par cet immense vitrail qu'on appelle la grande rosace, elle-même surmontée de cette fameuse collection de statues des rois qu'on appelle la galerie des rois de France et qui rappelle dès la façade que Reims est la cathédrale du couronnement, la cathédrale du sacre de la dynastie capétienne royale française, et enfin le dernier étage constitué par les deux tours clochers de la cathédrale. Une petite précision concernant le grand vitrail central en façade au premier étage, juste au-dessus du portail central, on l'appelle la grande rosace. Alors passons à l'exercice de droite. Donc je pense que vous aurez sans difficulté identifié les tours, la façade, les portails, le portail central, on le voit bien apparaître,
On voit au passage qu'on a affaire à une église en forme de croix latine. Hein, ça ne change pas fondamentalement les choses par rapport à l'art roman. On a toujours cette référence au Christ et au corps du Christ dans la construction, la conception des églises chrétiennes. Par contre, ce qui est nouveau, encore une fois, ce sont les arcs-boutants et les contreforts qui jalonnent les côtés de la nef. On voit également bien le transept qui, comme dans une église romane, sépare la nef, le torse du Christ et les jambes, si vous voulez, du cœur de la cathédrale, toujours orientée vers l'est, hein, comme d'habitude, hein, toujours orientée vers Jérusalem, vers la Terre Sainte. Et puis on aperçoit un vitrail, un vitrail qui est une autre rosace, plus modeste, mais tout simplement parce que le portail est lui-même plus petit, le portail d'entrée du transept. Et puis, alors on la devine plus qu'on ne la voit, la flèche finale qui porte l'altitude, si je puis dire, la hauteur de la cathédrale à 80 mètres. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier exercice qui va être un exercice de comparaison entre les églises de Saint-Nectaire et les de Notre-Dame de Reims. Sachant que elles ont des différences, mais aussi des points communs, puisque déjà, elles portent toutes les deux le même nom, je vous le rappelle. Notre-Dame. Alors, parmi les 12 cases qui se trouvent dans l'exercice ci-dessous, certaines cases font clairement référence à l'église de Saint-Nectaire, donc je vous demanderai de les colorier en vert, et puis ben, les autres feront référence à la cathédrale de Reims, il faudra donc les colorier en rouge. Donc prenez le temps d'observer, de réfléchir, de vous rappeler aussi certaines connaissances concernant l'église Notre-Dame de Saint-Nectaire. Et je vous demande de mettre sur pause le temps de faire l'exercice avant de passer au corrigé. Le corrigé, le voici. En fait, la plupart des références, comme vous pouvez le voir, sont des références à la cathédrale de Reims. Ben, tout simplement parce que Notre-Dame de Reims, et on le voit bien sur la comparaison des deux photographies, hein, il suffit de se faire une idée de la taille des maisons ou des immeubles à côté, dans les deux cas, on voit bien que Notre-Dame de Reims, c'est l'église XXL par rapport à sa devancière romane. Hein, l'église romane, c'est un modèle réduit par rapport à l'église gothique. Donc, l'église de Saint-Nectaire, elle avait été bâtie vers 1150, donc à peu près au milieu du XIIe siècle, bâtie en Auvergne, et c'est normal puisque c'est en Auvergne qu'est né l'art roman, alors que la cathédrale de Reims, elle a été construite à partir du XIVe siècle, c'est-à-dire plus tard, quand l'art gothique a commencé à remplacer l'art roman, mais au nord de la Loire, à l'est du bassin parisien, parce que c'est dans le bassin parisien qu'est né l'art gothique. Donc là, en l'occurrence, la Champagne, on peut considérer qu'on est véritablement en territoire gothique. Et puis, alors après, c'est les superlatifs qui l'emportent, hein. L'église la plus longue, la plus haute, la plus large, la plus sculptée, les vitraux les plus imposants. Et puis celle qui a demandé évidemment le plus de temps et le plus de moyens pour la construire, et c'est nécessairement Notre-Dame de Reims, autrement dit la cathédrale gothique. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui. Ben écoutez, j'espère que cette séance vous aura apporté quelques informations, qu'elle vous aura intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois pour un premier dossier qui sera consacré à la
féodalité, ou si vous préférez, à la vassalité. Et si les deux mots vous posent problème, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais rassurez-vous, dès la prochaine fois, vous saurez de quoi il s'agit. Bonne journée, à bientôt!